Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo sur ce mode-là. Bon, bah, j'ai déjà fait une petite vidéo, vous le trouverez dans la catégorie palette. Et voilà, pour les personnes voilà, qui n'arrivent pas à charger leur palette d'œufs à la main, voilà, parce qu'il y a quelques bugs. Donc voilà, une petite solution aussi qui est assez rapide et efficace. Donc voilà, ça, vous l'avez soit en 10 000 litres, soit en 200 000. Et après, ben voilà, vous pouvez changer la couleur, voilà, par exemple, en bleu, etc. Bon, ben là, il est en 200 000 litres. Voilà. Et ça, par exemple, voilà, vous n'avez pas besoin d'adaptateur. Vous arrivez avec votre chargeuse avant, vous pouvez le charger directement. Votre chargeuse compacte, pareil. Chargeuse sur pneu, pareil. Vous n'avez vraiment pas besoin d'adaptateur. Ça fonctionne tout seul. Et vous pouvez aussi le porter à la main, même quand voilà, il y a les 200 000 litres. Donc là, voilà, vous avez pour solide et liquide. Donc voilà. Et là, je l'ai mis sur voilà, même les palettes, si vous les prenez. Voilà, palette d'œufs, de vêtements, etc. Il vous prend toutes les palettes, légumes. Il vous suffit simplement voilà, de la déposer sur le trigger. Donc là, vous voyez, les œufs, il y en a pour voilà, 4655 litres. Et là, j'ai les deux Jérômes qui sont avec moi. Donc voilà, je vais juste leur demander d'avancer le temps. Et voilà, et là on avance le temps, donc voilà, vous avez vu, il y avait 4655. Voilà, vous placez bien ce truc sur le trigger, et franchement, ça, voilà, ça peut être pratique aussi. Vous avez vu, la palette, elle a spawné directement. Et voilà, et là je suis déjà à 6000 sans les avoir chargés, j'ai juste voilà, posé ça là-dessus. Et ça, voilà, une fois que voilà, il est plein, voilà, vous pouvez le porter à la main sans aucun problème. Ou à la rigueur, voilà, bon bah là je prends le tracteur parce que j'ai le chargeur qui est devant. Et là, c'est un chargeur de base, hein, voilà, il n'y a pas d'adaptateur, il n'y a rien du tout. Voilà, il vous suffit d'approcher tout près. Voilà, et dans n'importe quel sens. Hein. Voilà, soit sur le de chaque côté ou dans le sens de la longueur, etc. Vous pouvez les prendre. Et voilà, vous voyez, là je le prends dans ce sens-là. Voilà. Et après, voilà, je peux aller. Je peux aller vendre mes œufs sans problème. Et pareil, hein, voilà, vous pouvez mettre. Bah, de toute façon, je vais vous montrer voilà, tout ce que vous pouvez mettre dedans. Donc là, je vends juste voilà, ce que les œufs. Voilà, et vous restez au-dessus du trigger. Là, ça décharge tout seul. Bon ben voilà, il n'y en avait pas beaucoup donc voilà, et là on va aller au silo magique et on va voir tout ce qu'il peut prendre. Donc on va commencer depuis le début, hein. Voilà. Bon, donc il vous prend déjà tout ce qui est culture. Voilà, plus les patates, les betteraves, canne à sucre, semences, les œufs, la laine, la ration mélangée, le fourrage, la paille hachée, les copeaux de bois, l'ensilage, l'herbe, le foin, la paille, la neige, le sel de déneigement, la farine, le pain, le gâteau, le beurre, le fromage, le tissu, le vêtement, le sucre, le miel.
L'huile de tournesol, colza, l'huile d'olive, les raisins secs, le jus de raisin, la laitue, les tomates, les fraises, le chocolat, les planches, le mobilier, l'engrais, le fumier, la nourriture pour cochons, la chaux, l'additif d'ensilage, le complément minéral, les pierres, et voilà. Voilà tout ce que vous pouvez charger dedans. Voilà, il vous charge quasiment tout simultanément. Et voilà, par exemple, là, je vais en mettre à peine. Voilà, je vais vraiment prendre des vêtements. Et voilà, après, vous choisissez la quantité que vous voulez, soit vous remplissez à fond, etc. Et voilà, et après le but, voilà, vous le laissez sur le trigger, voilà, où vos palettes elles spawnent, et voilà. Vous n'avez plus besoin de charger vos palettes, et ça le fera tout seul, sans aucun souci. Après, je ne sais pas si ça marche avec toutes les palettes. Comme là, par exemple, j'ai des palettes de frites. Donc voilà, je peux faire aussi comme ça. Voilà, je le détache. Voilà, je peux le prendre à la main. Voilà. J'aurais peut-être dû me mettre de l'autre côté, que ça bug un petit peu moins. Voilà, bon bah là, comme vous voyez, les frites, normalement, il ne les prend pas. Voilà. À part voilà, certaines productions, il ne vous les prendra pas. Mais sinon, voilà, comme là, vous voyez, hop, voilà, je peux prendre n'importe quel. Voilà, comme là par exemple, bon, il y a deux versions, hein, une solide, une liquide. Voilà, par exemple ici, il faut de l'eau, par exemple. Alors là, je peux remplir le machin d'eau. Je mets mon trigger au-dessus, voilà, j'ai juste à soulever la palette. Et le tour est joué. Donc voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis ben, voilà, j'étais en compagnie de mes deux poteaux là, qui sont là. On va les retrouver. Donc voilà, en espérant que cette petite vidéo vous a plu et vous sera utile. D'ici là, à la prochaine. Allez, ciao, ciao!